Mais où est Charlie ? Ah, le rameur des glaces ! L'Everest. Le pôle Nord. L'Amazonie. Les mers du Sud. Plus de 11 000 km parcourus. Le Cap Horn. L'Afghanistan. Le pôle Sud. Charles Heydrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie ? Aujourd'hui, je suis au Cap des Tempêtes. Au Cap des Tempêtes, c'est bien au sud, ça. C'est tout au sud de l'Afrique. Et ce cap fut longtemps considéré à la fois comme le cauchemar et l'espoir des marins. Il paraît qu'il y a beaucoup de vent là-bas, énormément de vent. Alors, il y a des tempêtes terribles. Hein. Alors, l'histoire, 4 ans avant Christophe Colomb, après 13 jours justement de tempêtes absolument épouvantables, le Portugais Bartolomé Dias, en 1488, franchit le sud de l'Afrique et ouvre la première route maritime vers les Indes. Une aventure exceptionnelle. À son retour au Portugal, le roi préféra renommer le Cap des Tempêtes le Cap de Bonne-Espérance, car cette découverte va être capitale pour la prospérité du royaume et le développement de son empire colonial. Étonnamment, le Cap de Bonne-Espérance n'est pas le point le plus sud de l'Afrique, c'est le Cap des Aiguilles, à 150 km à son sud-est. Et je suis passé là-bas en 1983, officier de marine marchande, à bord du Montcalm, un navire charbonnier, une sorte de tanker de 200 mètres de long et qui transportait plus de 200 000 tonnes de minerais, un des plus grands du monde. T'as pas vomi ? Ça se coupe pas mal dans le coin quand même. Alors, moi je suis malade toujours au départ. Ça dure, suivant les cas de figure, entre 2 ou 1 semaine, mais après plus jamais malade. Et à l'époque, nous naviguions sous pavillon français et allions en Afrique du Sud chargés du charbon. C'était alors le régime de l'apartheid. Et la situation était étrange, nous étions un des seuls pays à commercer avec l'Afrique du Sud, alors sous embargo. C'est une des régions du monde où l'on peut rencontrer des vagues scélérates. L'existence de ces déferlantes monstrueuses a longtemps été mise en doute, rattachée un peu au folklore maritime. Le Montcalm peut témoigner de leur existence, une cale a été enfoncée comme une boîte de sardines par une vague exceptionnelle. La chance et la structure du navire à cloison étanche, lui ont permis de ne pas faire naufrage. Mais cette fortune de mer a nécessité plusieurs mois de réparation et suscité beaucoup d'interrogations. À l'époque, très peu friand d'exercices physiques dans les salles de sport qui existaient à bord des bateaux marchands, j'ai commencé à prendre l'habitude de courir sur le pont des navires. Le tour complet du charbonnier, c'était un peu plus grand qu'un stade olympique, avec en prime les mouvements du bateau, le paysage et l'air du large. Je repasserai à la voile en solo dans cette zone pendant le Vendée Globe 2004-2005. Le hasard voudra qu'une déferlante coucha le bateau à peu près au même endroit, mât dans l'eau. Heureusement, sans trop de conséquences. Merci Charles. Merci beaucoup, avec plaisir. C'était passionnant cette histoire. Mais où est Charlie ? Réponse la semaine prochaine.